Qu'est-ce que sont les accords jazz? Il y a déjà une nature d'accord qui est très particulière dans le jazz. C'est des accords qui sont au moins des accords septièmes. C'est des accords qui ont une sonorité très particulière. En jazz aussi, ils ont une structure assez particulière, surtout dans le cadre d'un accompagnement d'une guitare solo, par exemple une guitare avec un chanteur ou une guitare avec un instrument à vent. On va avoir trois notes sur trois cordes au milieu et une note de basse qui va donner ce genre d'accord-là. Pour la main droite, plusieurs façons de jouer évidemment. Là, je suis en picking un peu hybride où j'utilise mon pic et les doigts. Très pratique dans le contexte du jazz parce que ça me permet de mélanger et l'accompagnement et de l'improvisation si je suis amené à faire un solo. Je peux aussi faire juste du strumming comme ça, un peu plus manouche, ce qui est très beau. On peut faire du finger picking ou autre aussi, il y a plusieurs possibilités. La clé dans les accords jazz, c'est donc la nature de cet accord qui est 7 ou autre. Il y a des fois des extensions d'accords comme les accords 9e avec les 11e ou les 13e, comme ça. Ça c'est un accord, c'est un La 9 par exemple. Très très bel accord. Donc ça, c'est toujours des accords un peu plus élaborés. Puis il y a une particularité dans la position de l'accord quand on la joue, la position des doigts. Voilà, c'est dans vos cordes.